Aujourd'hui, je vais vous présenter la base de l'oiseau qui vole. Pour ce faire, nous allons prendre une feuille, 15-15, ça suffit. Bicolore ou unicolore, peu importe. De toute façon, nous ne verrons que la couleur que nous allons utiliser. Pour commencer, nous allons tracer les deux diagonales. Pour ce faire, ramener un angle sur l'angle opposé. Maintenir les deux épaisseurs. Descendre à la perpendiculaire. Une fois à droite, une fois à gauche, on marque la diagonale. Hop, des plis. On procède de la même manière pour la deuxième diagonale. On ramène un angle sur l'angle opposé. On descend à la perpendiculaire. On glisse une fois à droite, une fois à gauche pour marquer la diagonale. Nous retournons le papier. Nous allons marquer maintenant les deux médianes. Pour ce faire, on ramène le bord qui est ici. Sur le bord du haut. Voilà. On déplie et on marque la deuxième diagonale, pareil en marquant le bord, vraiment le bord bas sur le bord du haut. On laisse plier et on ramène les quatre pointes l'une vers l'autre. On met le modèle à plat en mettant deux épaisseurs de chaque côté. On marque bien les plis. Voilà. Ce faisant, nous avons obtenu déjà une base préliminaire. Maintenant que nous avons notre base préliminaire, côté ouvert, nous allons ramener le bord qui est ici sur l'axe central. Marquons la bisectrice, l'angle comme ceci. La même chose de l'autre côté. Le triangle qui est ici, nous allons le replier le long du bord. Vient de plier, les deux volets que l'on vient de plier, et marquer le pli. Pas besoin de le marquer trop fort, on le déplie, on déplie le volet, et on prend la première épaisseur de papier, on profite de ce pli valet pour remonter tout l'ensemble vers le haut jusqu'à ce que les deux bords se referment l'un sur l'autre. Pas trop près quand même, laisser une petite marge entre les deux bords. Voilà. On retourne le modèle et on procède de la même manière de ce côté. On ramène le bord qui est ici sur l'axe central. De chaque côté. On ramène le triangle en faisant un pli valet le long des deux volets que l'on vient de plier, que l'on marque en pli valet. On déplie, on déplie, on déplie. On soulève la première épaisseur du papier et on utilise le pli valet qui est ici pour remonter tout l'ensemble jusqu'à ce que les deux côtés se referment l'un sur l'autre. Nous avons obtenu une base de l'oiseau. Une fois obtenu notre base de l'oiseau, ici, nous avons deux pointes libres ici tout en bas et deux pointes fermées vers le haut. On va basculer un volet de la droite vers la gauche, retourner notre modèle horizontalement. Et procéder de la même manière, retourne, basculer un volet de la droite vers la gauche. Cette fois-ci, les deux pointes libres sont vers le haut. On attrape le modèle en le pinçant ici, on prend la pointe ici et on la tire jusqu'à obtenir
à peu près un angle de 90 degrés. Voilà. Ou ça dans le prolongement ici. Voilà. La même chose de l'autre côté. L'angle a peu d'importance, c'est à vous de voir quelle latitude vous voulez donner à votre oiseau. Comme vous pouvez le voir, on pourrait faire un masque ou faire un autre modèle. Ici, on amène le pouce à l'intérieur du pli pour pouvoir faire un pli renversé et faire la tête. On remonte les deux ailes de chaque côté. Voilà. Comme ceci. Voilà. Pour faire voler notre oiseau, nous allons mettre en forme un petit peu les deux ailes comme ça vers l'avant. Voilà, pour ça plus joli. Voilà. Et puis délicatement, attraper la queue et tirer horizontalement, délicatement la première fois, et la deuxième fois, vous pouvez voir que, voilà, nous venons de faire notre oiseau qui bat des ailes.